Et salut mes amis Redempteurs, ici le Major, et on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode de Darksiders 3. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Nous arrivons sur la fin. Nous avons fait pareil d'une drôle de manière parce qu'on n'a pas du tout fait dans l'ordre comme on devait le faire, je pense. Et du coup, aujourd'hui, on nous a lancé un défi quasiment dès le début du jeu. Tue les autres péchés avant de... pour que tu sois digne de m'affronter. Les autres péchés sont tous capturés, ont tous été battus, excusez-moi. Maintenant, il est l'heure pour toi de rejoindre tes compatriotes, cher Orgueil. Les chargements. Ok, nous y voici. Ouais, c'est vrai que c'était vachement classe. Mais je me demande où on est en fait. Bon, enfin. Allez. Salut Orgueil. La confiance te sied à ravir. Lorsque je l'ai gagnée, oui. Tu es fier. Vois-tu, je n'ai jamais compris pourquoi l'orgueil était considéré comme un péché mortel. Ce pouvoir que tu ressens maintenant, après avoir accompli une tâche ardue, ne te sens-tu pas puissante ? Tu t'es montrée très prometteuse. Tu as fait un travail incroyable. Ne mérites-tu pas quelque chose pour cela? Peut-être, mais pas de ta part. Avant que tu ne commettes une erreur tragique, j'aimerais te faire une offre. Tu as vu le monde. Tu as vu l'état dans lequel il est. Tu es assez intelligente pour savoir que quelqu'un, quelque part, t'a menti. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'équilibre. Tout ça n'est que des mensonges. Mais imagine que ce soit vrai. Imagine que toi et moi décidions vraiment de donner à ce monde un sens, un ordre. N'est-ce pas votre but véritable? Nous pourrions être la force d'équilibre que mérite le monde. Nous pourrions être la grandeur. À une époque, ce discours aurait pu me faire de l'effet. Mais c'était quand je ne comprenais pas à quel point l'orgueil pouvait être hideux. Merci pour ta généreuse offre, mais si ce monde doit être réparé, ce ne sera pas par l'une de nous deux. Joli. Ah, cela m'attriste de devoir jouer ce rôle. Tu n'es pas obligé d'être le pion de qui que ce soit. Une petite chose si belle et insignifiante. Pourquoi t'obstines-tu à essayer? Non, ne fais pas ça. Oh, voilà. Jouer ce rôle.
Tu n'es pas obligé d'être le pion de qui que ce soit. Moi, je le sens. Là-bas. Putain, oui! Oui, ouais, ouais! Putain! Oh, je suis bon! Oh. As-tu parlé au Seigneur des Abysses? Il le savait. Lui aussi était orgueilleux. Parle-moi du Conseil. Tes soi-disant maîtres ont été contaminés par l'orgueil. Ils ne servent aucun équilibre. Selon toi, qui a libéré les sept de notre geôle? Qui pouvons-nous bien servir maintenant que l'humanité ne peut plus être corrompue? Ose me dire que mes paroles ne te semblent pas vraies. Tu ne crois tout de même pas pouvoir nier l'orgueil qui demeure toujours en toi? Assez de flatteries vides. Je t'écoute. Dis-moi tout. Tu sais déjà tout, maîtresse. La sublime ironie de cet instant est que pour une fois, ton ennemi a raison. Tu devrais ressentir de la fierté, mais tu ne ressens que de la peur. La peur d'avoir touché la grandeur du bout des doigts pour finalement échouer! Tu vois, ton conseil te trahit. Guetteuse! Toujours si jolie. J'étais jalouse de toi autrefois, ma sœur. L'envie. Quoi ?
pense. Bon. Oui. Tout était vrai. Oui, absolument tout. Comme j'en vis ton ignorance. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Tu sais ce que je t'envie d'autre? Pouvoir! Et grâce à tes bienfaiteurs mutuels, ce pouvoir est à moi! L'orgueil l'avait bien compris. Le Conseil Ardent a tendu un piège. Ils veulent tous nous voir morts. Les 7 péchés capitaux et les cavaliers. Non. Mais moi, je savais mieux. La jalousie sans la jalousie. J'ai pris la forme d'un serviteur de confiance. Et toi, cavalier, tu es devenu à la fois mon glaive et mon bouclier. Ça va faire mal. Maintenant que les autres péchés ont été anéantis, je vais détruire le Conseil Ardent une fois pour toutes. Alors seulement, la Terre sera enfin mienne. Eh ben merde! Eh ben merde alors! Donc on sait que maintenant les conseils nous a trahis, c'est sûr, ça on sait depuis le 1, mais maintenant c'est encore pire! Et on s'est fait couillonner par l'envie. Aven. Vous ronflez. Vous avez peut-être le nez cassé. En tout cas, vous avez l'air d'avoir été bien occupé. Même si je n'ai pas la moindre idée de ce que vous avez fait, hormis vous en prendre plein la gueule. Qui es-tu, humain, pour me parler ainsi ? Oh, je suis juste un réfugié, un de plus, comme vous. Mais je suis pas assez puissant pour défendre l'équilibre. Ça, c'est votre rôle. J'ai appris que je suis faible. Eh bien maintenant, peut-être que vous comprenez enfin ce que ressentent tous les humains. Plongés dans une guerre qu'ils n'ont jamais demandée. Livrés à eux-mêmes contre des forces qu'ils ne peuvent pas comprendre ou espérer combattre. L'humanité tout entière a été trahie. Et pourtant, elle continue à se battre. Et vous ? Je me suis écartée de la voie. J'ai été orgueilleuse. J'ai succombé à la colère. J'ai été paresseuse. Et encore bien pire. J'ai été tout ce que représentent les 7 péchés capitaux. Et je l'ai chèrement payé. Alors, en d'autres termes, vous avez vécu. Oui. Bien alors. Vous êtes enfin en vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. De l'espoir ? J'ai été humilié lors de mon combat contre l'envie. Je ne doute pas qu'à l'instant même où nous parlons, elle est partie anéantir le Conseil Ardent. Et moi ? Je suis bloqué sur Terre. Alors, lorsque tu parles d'espoir, humain, je ne peux l'entendre. Tout espoir est perdu. Non, Evan a été bâti sur l'espoir. Venez, parlez à Ultane. Vous verrez. Ouh, t'as pris cher, ma grande.
Merci. Je vais m'asseoir pour dormir en sécurité. Pourquoi m'ont-ils aidé? Parce que tu les as aidés. C'est un peu ce que font les humains. Et le fait que tu aies permis à de nombreux survivants de nous rejoindre n'a pas fait de mal. Tout ça en vain. On ne t'a pas tiré des décombres pour abandonner maintenant. L'envie détient le pouvoir des sept. Ta trahison se lit sur votre visage. Laissée pour morte comme une chose inutile, jetée aux ordures. Mais ce n'est pas terminé. Un puits au reflet? Ouais, avec quelques ajustements. Mais il est pour toi seulement. Il ne t'emmènera que là où ton cœur désire aller. Je désire seulement terminer ce que le Conseil a entrepris. Puise dans ta détermination, cavalier. C'est tout ce qu'il te reste maintenant. Et c'est surtout ce dont tu auras besoin si tu veux arrêter l'envie et destituer tes anciens maîtres. C'est l'heure. J'espère que vous savez à quel point ce que vous faites compte pour nous. Tu en as sauvé tellement. Bienvenue à tous. Viens, et commence tes préparatifs. Pourquoi c'est trop longtemps? Comme vous voulez. Pourquoi cet humble marchand prend ton temps? Sage décision. Voilà un excellent choix. Voilà un excellent choix. Comme vous voulez. Adieu pour le moment. Ah ! Bienvenue, cavalier. On commence à manquer de place ici, avec tous les humains que tu m'as envoyés. Laisse-moi donner plus de puissance au petit bijou que je t'ai offert. Alors, voyons ce que je peux faire pour toi. Scheiße. J'aurais pas cru que c'était possible, mais... Intéressant. Tu as l'intention de faire sacrément mal à quelqu'un, toi. C'était possible, mais... Intéressant. Bonne chance à toi, Fury. Ça va barder. Ça va barder sévère. J'ai pas de fiole de soins.
Bah alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh, envie, t'es pas censé te montrer? Comment perdre de la vie vitement? Vous avez passé tellement de temps à regarder et à juger que vous avez oublié comment vous battre! Ose attaquer ce saint sanctuaire! Oui! Je l'ose! Parce que personne d'autre ne l'a jamais fait! Et que ce que je vais faire n'en sera que plus douce! Vous n'êtes que des fils de catins méprisants! Vous méritez votre sort depuis des séons! Et vous seul êtes responsable de ce qui vous attend! Ta soif de pouvoir causera ta perte en vie. Eh bien, si ce n'est pas l'hôpital qui se moque de la charité... Lorsque j'aurai terminé ce que j'ai à faire ici et qu'il ne restera que des gravats de cet endroit, j'attendrai simplement le dénouement de l'apocalypse et j'anéantirai les généraux affaiblis s'il en reste. La terre sera mienne. C'est terminé, Envie. Tu as échoué. Tu l'as, cavalier. Nous t'ordonnons. Oh, la ferme! Vous ne m'ordonnez rien du tout. Vous ne méritez que mon mépris et vous connaîtrez bien assez tôt ma fureur. Blasphème! Vérité. Rends-toi ou meurs, Envie. Sérieusement? Non, mais ça valait le coup d'essayer. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Faire tout ce chemin simplement pour prouver que tu es aussi pathétique que tu l'étais au début de ton périple. Oui, non, mais ça, de toute façon, c'est obligé. Voilà. On repasse les cinématiques, y a pas besoin de la revoir. Hein. Ça va encore mettre du temps à remettre la cinématique de combat ou c'est bon, j'aurai directement le combat. Et c'est quoi? Il faut refaire quoi? Ah, ok. Allez, quoi, sans nom. Thank you.
Attends, ne dis pas qu'il va falloir qu'à chaque fois que je tombe, parce que ça va vite être long. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Faire tout ce chemin, simplement pour prouver que tu es aussi pathétique que tu l'étais au début de ton périple. Je l'avais maîtrisé quoi dès le départ. Tout ça parce que je suis trop pressé dans mes esquives. C'est mon principal défaut, c'est que je suis trop pressé dans mes esquives. Et quand je veux taper, je tape tellement que j'oublie, je fais en retard mon esquive. Du coup, je suis merdé. Du coup, je récupère mes apps, je saute dans le vide cinématique. Putain, ça c'est chiant. Je vais essayer d'esquiver ce putain de premier coup là parce qu'il est complexe. À voir arriver. T'as même pas le temps de charger. Ah ! Tiens, salope ! Malgré tout ton pouvoir, tu ne trouves pas mieux dans les signales en toile. Tous suivant vos péchés. Putain, ça me gonfle ça, j'arrive pas à le passer. Je hurle, il est 4h30 du matin, j'avais pas vu l'heure. Bordel. Mais je vais terminer l'épisode, de toute façon, je suis à la fin du jeu, je vais pas m'arrêter là maintenant. Hein. Après, je pense que c'est que sa première phase, hein. Il y en a pas. Je suis
suis en guerre sur sa première phase. Allez, 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 chargement, grouille. Est-ce que je vais réussir à éviter sa première attaque? Ah putain. Ça me donne pas les deux. Alors, est-ce que ça en valait la peine vers tous ces chemins simplement pour prouver que tu es aussi pathétique que tu l'étais au début de ton périple? Mais non, mais sérieusement, allez, mais fais pas ta pute! Ok, réaction à chaud, tranquille, zen. Je passerai une nuit blanche s'il faut, mais je vais te buter, salope. Par contre, Uziel, il est parvenu. Je sais toujours pas qui m'a trahi. Les anges. Carnage, je sais toujours pas. Non, il y a des choses qu'il faut savoir. J'aurais peut-être dû y retourner. Allez, bon Dieu de bordel de merde. Ok, la cinématique est encore foirée. Pas dans son trou. Alors, est-ce que ça en valait la peine? Faire ce chemin simplement pour prouver que tu es aussi pathétique que tu l'étais au début de ton périple. Ha!
Contrefaçon d'armes des Ukan. Que tu aies finalement accompli ta mission, Fury. Peut-être devrais-tu être récompensé. Mais peut-être pas. L'envie nous a pris au dépourvu, nous l'admettons. Mais nous avons plus de pouvoir qu'il ne faut pour anéantir un insecte tel que toi. Tu as outrepassé les règles, cavalier. Tu seras châtié avec tes frères, comme l'enfant impudente que tu es. Je ne mourrai pas comme ça. Je ne laisserai pas votre corruption se propager. Détruit le sanctuaire. Protectif des humains était terminé le jeu à n'importe quel niveau de difficulté. Mais il y a encore quelque chose, il y a encore plein de réponses. La voix de cavalier, terminé le jeu en mode normal. Mais il y a encore plein de questions sans réponse. L'unité est essentielle. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons agir ensemble. Vous n'y arriverez pas. Le conseil ? Dans une rage noire, je serai prête à parier qu'il alimente en secret l'attaque contre Evan, si tu as un plan en ce qui le concerne. L'heure est venue.
Les cieux, l'enfer, le conseil ardent, tous souhaitent les voir anéantis. Tu le sais, mais peut-être n'en connais-tu pas la raison. Même avant l'apocalypse, pourquoi vos vies étaient-elles si difficiles? Parce que vous avez été créés pour accomplir un grand dessein, puis laissés sans protection. Donc, ceux qui vous craignent ont entrepris de vous anéantir avec de fausses promesses et des guerres et ces péchés dont ils vous accusent. Ils vous craignent tous. Vous pouvez utiliser cette peur contre eux. L'humanité peut remporter cette guerre. Regarde autour de toi. Voilà ce qu'il reste de l'humanité. Et nous ne sommes guère en état de mener une guerre à l'échelle que tu proposes. Non. Vous devez vous cacher. Échapper au regard des cieux et de l'enfer, du conseil? C'est exactement ce que vous devez faire. Mais ce dont l'humanité a besoin, plus que d'une bonne cachette, c'est d'un protecteur. Un protecteur? Donc c'est avant. Le jeu se passe avant. Le jeu se passe pendant les 100 ans. Nécessaire pour évacuer les autres humains. Les évacuer? Où? Je ne retournerai pas dans la chambre du conseil. Quel genre de façonneur serais-je si je construisais une porte qui ne reliait que deux endroits? Ce que désire ton cœur, cavalier. Un refuge pour les misérables dont nul ne veut. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Malheureusement, tu comprendras pendant que tu voyageras avec eux. Ah, moi? Ils ont besoin d'un protecteur. Et toi, tu as besoin d'un nouveau rôle. Est-ce tort? Je fais le serment d'utiliser tous les pouvoirs en ma possession pour protéger l'humanité. Et un jour, nous rétablirons l'ordre des choses, ensemble. Ultain, mon frère Ger est une victime innocente de ce drame. Si jamais tu trouves une occasion de l'aider, de quelque façon que ce soit, je te demande de le faire. Je ferai. Tout s'emboîte. Merci, façonneur. Que notre avenir soit celui de la justice. Ouais. Bon voyage, cavalier. Il les tue? Avec quelle arme? Il les a récupérées de Strife. C'est les armes de Strife. Ou alors c'est Strife. Non. Si, c'est Strife, enculé. Bien joué. Discord. C'était lui. Depuis le début. Mais depuis quand il le sait? Oh, non.
Mais c'est terrible! Comment? Mais comment? Elle vaut la fin du premier, c'est obligé! Comment il savait? Je suis sur le cul. Je suis grave sur le cul. Ainsi, la jeune cavalière veille sur l'humanité. C'est sans importance. Abaddon règne sur la terre. Les cieux et l'enfer se précipitent pour prendre place à la table. Quant au conseil, le conseil est en train de saper l'équilibre, celui-là même qu'il prétend préserver. Bientôt, la corruption les contaminera tous, et il ne restera que moi. Tu peux partir. C'est pas Samael. Qui c'est? Mais bordel, je... Waouh! Mais alors cette fin? Mais cette fin? Jones... C'est Strife, Discord, un des quatre. C'est quand vous avez, quand, de toute façon, quand on voit les flingues, c'est obligé. Donc maintenant, on comprend pour comment il doit être mort ici. Ou alors non, mais il y a eu encore autre chose. Mais oh, depuis quand Strife est au courant? Depuis quand es-tu au courant, mon frère? Merci d'avoir combattu dans le bon camp de l'histoire, cavalier. L'humanité ne l'oubliera pas. Mon frère, depuis quand tu es au courant? Mais non! Je suis sur le cul, là. Clairement, je suis sur le cul. Je sais pas quoi dire d'autre. Je m'y attendais tellement pas. Elle relance toute l'intrigue, ce jeu relance toute l'intrigue. Parce que là, on sait que Lily sert quelqu'un. C'est pas Samael. Ou alors il y a quelqu'un, elle se sert aussi de Samael. Mais comment? Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Obtenir 50, améliorer 4 fois la capacité. Ah, j'ai oublié. J'ai encore quelques. Ouais, obtenir 5 éliminations, oui, en furie, oui. D'accord. Merci. Oula. Ok. Ma connexion, s'il te plaît. Je suis sur le cul là, honnêtement, avec cette fin. Mais alors, je suis totalement... Mais quand je dis totalement, c'est totalement sur le cul. Je sais. Tellement que je suis sur le cul, je sais pas vraiment quoi dire, quoi. Strife, un des quatre cavaliers, protège l'humanité. À Even, a aidé les trois façonneurs à construire cet endroit. Déjà... Quel est... Comment... Que sait-il? Parce qu'il a l'air de savoir quelque chose. Il a l'air d'être au courant de un peu beaucoup de choses, le petit là. Qu'est-ce qu'il advient de lui, surtout aussi après cette attaque? Dans ce cas-là, c'est le destructeur qui attaque. Donc ça veut dire que le jeu se passe pendant les 100 ans d'emprisonnement de War. Le jeu se passe avant tout ça. Let's go.
donc un peu pendant la quête de Death. Il va chercher à droite à gauche, il va pas savoir quoi faire, il va après... Le 2 passe en même temps que le premier, donc chronologiquement parlant, ça se passe 100 ans avant. Et pendant 100 ans, Fury va défendre l'humanité. Va l'amener quelque part. Alors un endroit caché. Un endroit caché des cieux, de l'enfer et du conseil. Moi j'en vois qu'un. Je ne connais qu'un seul endroit qui remplit ses conditions. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et le seul endroit qui remplit ses conditions, c'est l'Éden. C'est le seul endroit que je connaisse qui remplit ses conditions, et à la perfection. Dans le 1, on visite l'Éden, mais on visite qu'une infime partie. On voit qu'il y a énormément de choses derrière, donc il y a possibilité qu'il y ait encore quelque chose. Mais oui, l'Éden, c'est obligé. Si on reprend le biblique, les premiers humains ont été créés dans l'Éden, dans le jardin d'Éden. Ça prendrait sens, ça ferait une sorte de cycle en fait. Et que par exemple, si ça se passe, on va dire, dans un univers alternatif à nous, ou dans le même univers, ça voudrait dire que nous, par exemple, on serait des humains 2.0 après cet apocalypse qu'il y a eu et qu'on n'aurait aucun souvenir. C'est possible. C'est une théorie, hein, bien entendu, tout aussi farfelu que cela puisse être, mais ça tient à peu près la route. Hein. Je vais pas commencer à m'apprivoiser théoricien. Hein. C'est pas le cas. Mais il y a des choses qui... Ouais. Bah, ça y est quoi les filles ? Darksider 3 était superbe. Mais mes chers rédempteurs, vivement le 4. Je veux savoir l'histoire de Strife maintenant, de Discord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Discord en arrive là ? Parce que lui, il était au courant de la traîtrise du conseil. Il va falloir attendre, je sais pas encore combien de temps. Ça va être ignoble d'attendre tout ce temps. Eh ben, on va se quitter là, hein, mes amis. Aux côtés de deux façonneurs morts, futurement morts. Ultain qu'on va revoir dans les anciens. Qu'on revoit dans les anciens. Et surtout. À côté de mon frère. Putain de bordel de merde. Enfin mes rédempteurs, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Enfin pour ma part ça sera une bonne nuit vu l'heure. Hein. Enfin une bonne nuit courte surtout. Il est 5h du matin. Je sais pas si je vais réussir à dormir parce que putain avec toutes les questions que j'ai moi. Ça va être compliqué. En tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ces 17 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. 18 épisodes, pardon. Sur ces 18 épisodes, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de Darksider 3 et que vous êtes autant hypé que moi pour la suite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous follow. Hein. Ça fera énormément plaisir que je sache... Et que surtout que je sache que mon travail vous a plu, hein, même si ça reste de l'amateurisme, on va pas se le cacher. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à venir un petit coucou sur notre Twitter et sur Twitch pendant nos lives. Tous les jours quasiment, sauf le samedi dimanche, et peut-être le samedi dimanche, à partir de 20h. Et vous aurez les autres membres de l'équipe, Cricris, Saiga et Coudray.
Et pour ma part, c'était Major. Je vous remercie. À la prochaine, mes rédempteurs. Ciao.